Je me transforme en Léna Situation. Bonjour, je vais prendre un réfléchir à ces trous verts. Franchement, je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Je suis une patate. J'ai un peu honte de le dire, mais ça n'a pas de goût. Bon, Léna, tu m'expliqueras parce que j'ai pas compris. Le fromage. Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo 24 heures. Je suis trop contente parce que vous savez que c'est mes vidéos préférées à tourner. Aujourd'hui, je me transforme en Léna Situation pendant 24 heures. Je pense que tout le monde connaît Léna Situation, j'ai pas besoin de vous la présenter. Et comme elle a quand même des petites habitudes au niveau de l'alimentation, qu'on connaît un petit peu parfois, je me suis dit que ça pouvait être marrant de manger exactement comme elle pendant 24 heures sans aucun écart, sans rien, et voir comment ça se passe. Si jamais vous me suivez pas sur Insta, n'hésitez pas à aller faire un tour. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Donc pour ce matin, je pense que là vous savez très bien ce que je vais prendre. Le matin, elle ne mange pas, elle va uniquement chez Starbucks prendre sa boisson préférée, un réfraîchissant à citron vert sans eau. Je n'ai jamais goûté ça. Est-ce que vous avez goûté ça déjà un jour? Donc j'ai grave hâte de goûter. Ça me dérange pas particulièrement qu'elle prenne pas de petit déj parce que ça m'arrive de pas en prendre aussi. Parfois je fais le jeûne intermittent, mais juste le fait d'ingérer du sucre, j'ai peur que ça me donne envie de manger. Donc on verra bien, il est 9h du matin et on va aller chez Starbucks. Bonjour, je vais prendre un réfraîchissant citron vert sans eau en venti, s'il vous plaît. J'ai mon réfraîchissant, je vais essayer de trouver une place et je vais boire ça dehors. Profitons de cette journée ensoleillée, vu qu'il n'y en a pas beaucoup. Bon, j'ai trouvé un endroit pour me poser. J'ai mon réfraîchissant, je vais le goûter, j'ai trop hâte. Regardez où on est, qu'est-ce que c'est ça? Le château de Versailles. Bienvenue à Versailles. Juste comment ça marche? Ah, oh, ok. Alors, en vrai c'est bon. Mais c'est bon, mais c'est tellement sucré. Je crois que j'ai payé 5,65€. En gros, quand tu prends pas d'eau, tu payes un supplément parce que du coup, ils doivent rajouter du citron, je pense. Ce qui fait un peu cher tous les jours. Mais bon, je vais pas juger parce que quand on est addict à un truc, c'est trop dur de s'en passer. En vrai, c'est bon. Je pense que l'été, tu vois, quand il fait chaud. Par contre, c'est ultra sucré et genre, personnellement, je prendrais pas tous les matins. Et d'ailleurs, c'était trop dur chez Starbucks. Et là, j'ai faim. Et vous savez, quand j'ai faim, genre, je vais pas faire de jeûne intermittent. Quand j'ai faim, je mange. Et là, j'ai faim et je peux pas manger. Aujourd'hui, je vais vraiment respecter toutes les règles. En vrai, c'est bon, mais c'est énorme. C'est un peu beaucoup sucré. Combien d'années je vais mettre à boire ce truc? Vous savez quoi? Je vais rentrer et je vais boire ça sur le chemin. On rentre à la maison. J'ai fini, vous avez entendu? C'est juste parce que c'est froid que je bois doucement. Mais sinon, je suis une forceuse. Genre ça se boit facilement quand même. Je vais faire un plan comme Léna Situation. Bon, je vais aller me doucher, me préparer, travailler jusqu'à ce midi en essayant de tenir parce que là j'ai grave faim. À tout à l'heure. Il est 13h30, je me suis préparée. Donc j'ai extrêmement faim, là vraiment j'ai extrêmement faim. C'était tellement difficile de trouver ce qu'elle mange parce que bah c'est vrai que c'est pas une youtubeuse food, donc elle va pas vous montrer tout ce qu'elle mange dans une journée etc. Mais j'ai quand même réussi à trouver dans la vidéo où elle échange sa vie avec celle de sa meilleure amie. Elle dit qu'elle mange des salades de pâtes le midi et qu'elle adore ça. Et j'ai vu dans une autre vidéo, j'ai pris un petit screen et j'ai genre regardé tout ce qu'elle mangeait. Qu'elle mangeait une salade avec dedans du poulet, des tomates, de la salade et un toast d'avocat sur du pain de mie sans croûte. Donc on va faire la même chose, on va faire une salade de pâtes, enfin on va faire tout un mix de tout ça. Franchement, bah ça me donne grave envie. Le seul problème, c'est que pour moi, vous le savez peut-être si vous me suivez, c'est une malédiction de faire des toasts d'avocat sur du pain de mie. Voilà, je le dis. Et également, devinez ce que je vais boire. Ce que vous connaissez. Un coca. Elle boit tout le temps du coca, elle adore ça. Elle en boit matin, midi, soir, donc... C'est dégueulasse de faire ça. Je vais boire du coca pendant mon repas, même si je déteste boire pendant que je mange. Mais bon, je suis Léna Situation aujourd'hui. Dis Siri, mets un minuteur de 9 minutes. Je suis contente de manger des pâtes. Et voilà, j'ai un peu honte de la présentation parce qu'il y en a pas. Voilà la petite salade, j'ai grave hâte de goûter, je meurs de faim. Et voilà les toasts d'avocat sur le pain de mie, exactement comme elle. J'ai mis juste un petit peu de paprika parce que j'ai plus de poivre et j'aime trop quand c'est un petit peu épicé. Je vais goûter d'abord les toasts. En vrai, je sais pas si j'ai déjà goûté genre sur du pain de mie tout blanc comme ça sans croûte.
En vrai, c'est bon. Je pense que mon avocat il est pas ouf, je sais pas. Le pain de mie il est pas grillé. Et genre j'aime trop le côté croquant avec le toast d'avocat, vous voyez ce que je veux dire? Enfin avec l'avocat. Mais bon, c'est bon quand même. Maintenant salade. Franchement, je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo. Ça m'est venu comme ça. Pour ceux qui me suivent pas, je fais beaucoup de vidéos 24 heures. Je me suis dit, Léna situation, genre il y a un petit peu tout le monde qui la suit et on voit tous qu'elle prend tout le temps des refresh le matin, qu'elle boit du Coca et compagnie. Oh mon Coca, j'ai oublié. Ça me rappelle trop mon enfance le coca parce que dès que j'en bois, genre en canette, je sais pas pourquoi, ça me fait un truc en canette. Ma grand-mère, elle m'en donnait toujours. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Les salades de pâtes, c'est vraiment trop bon. J'en fais jamais en vrai. Elle a trop raison de manger ça. Genre les pâtes, c'est trop bon. Et en même temps, tu manges un peu de salade comme ça, c'est un peu plus sain. Bon, j'annonce, j'ai pas tout terminé. Ça fait beaucoup, je ne sais pas vraiment les quantités qu'elle fait. Mais en tout cas moi j'en ai fait beaucoup trop, je suis un peu deg. Au niveau des toasts d'avocat, franchement je suis vraiment pas très fan. Par rapport à la salade, genre voilà quoi. Et puis du coup c'était pas très utile de rajouter les toasts d'avocat vu la quantité de salade que j'avais. Et j'ai pas fini mon coca, mais je vais le finir parce que c'est trop bon. Même si je déteste boire pendant que je mange, même après. Mais j'ai l'impression que je suis la seule au monde, genre je ne supporte pas boire pendant que je mange, ni après. En fait quand j'ai l'estomac genre plein, j'ai l'impression que ça me rend encore plus lourde. Et que après je suis encore plus lourde pour faire tout ce que j'ai à faire, je sais pas. Je suis une patate. Bon, du coup, je vais me remettre au montage et attendre patiemment le goûter. J'ai très envie de sucre là, car j'ai vu qu'elle mangeait un truc que j'avais jamais goûté. Donc j'ai trop envie de voir ça. On se retrouve tout à l'heure. En vrai, ça n'a pas très longtemps parce qu'il est 14h40. Salut! Devinez quelle heure il est! C'est l'heure du goûter. Qu'est-ce qu'elle mange pour le goûter, Léna? Bah je ne sais pas. Mais dans sa dernière vidéo, on la voit manger des crêpes avec quelque chose de particulier. Je me suis dit que c'était parfait pour tester. J'ai un peu honte de le dire, mais elle mange ses crêpes avec de la crème de marron. Et en fait, j'ai jamais goûté la crème de marron. Je vous explique l'histoire. Quand j'étais en primaire, il y avait une de mes voisines de classe qui mangeait de la crème de marron en comme dans des compotes, vous voyez. Et en fait, ça me dégoûtait trop. Je sais pas pourquoi, ça me dégoûtait. Du coup, j'ai jamais voulu goûter. Et Jérémy, il mange tout le temps des marrons. Il adore ça. Et moi, j'ai déjà goûté. Et genre, je trouve que ça n'a pas de goût, que ça n'a aucun intérêt. Et j'ai l'impression que c'est soit t'adores, soit tu détestes. Donc, écoutez, on va essayer. J'ai acheté de la crème de marron. Attendez, je vous montre. Voilà. Sauf que, est-ce que je vais faire des crêpes? Non. Pourquoi? Parce que j'ai la flemme. Donc, je vais aller en acheter. En fait, il y a une boulangerie à côté de chez moi qui fait des crêpes, genre nature, et tu peux les acheter comme quand t'achètes un croissant, quoi. D'ailleurs, je me demande si c'est normal. Mais en tout cas, moi, j'ai vu ça que ici. Il y a ça chez vous. Bon, du coup, je vais aller en acheter. Et ça m'arrange bien parce que faire des crêpes là. Allons-y. Bonjour, je vais vous prendre deux crêpes nature, s'il vous plaît. Je vous mets la dernière, je la prends. Oh, merci beaucoup, t'es gentil. Je vais pouvoir laisser une toute seule. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Jugez Balbazar. Ouh, elle m'en a donné 3. Je vous jure, leurs crêpes, elles ont trop un truc spécial. Elles sont trop bonnes. Mais c'est un truc de ouf, ça sent rien. Mais j'ai l'impression que ça a pas de goût ce truc. On va essayer ça. Je comprends pas, ça n'a pas de goût. Je comprends pas, c'est mon palais qui est pas sensible au marron. Comment tu peux détester, ça n'a pas de goût? Comment tu peux aimer, ça n'a pas de goût? Je comprends pas le délire. Alors là, faudra m'expliquer. Je vous promets, je sais pas si c'est moi ou si on est d'accord que ça a pas de goût, mais ça n'a pas de goût. C'est super bizarre. Bon, Léna, tu m'expliqueras parce que j'ai pas compris. Je vais sûrement me faire attaquer en commentaire parce que je sais qu'il y a des gens qui sont fans de crème de marron. Tant pis, je prends le risque. On va se retrouver pour le repas de ce soir, le dernier repas dans la vie de Léna. Il y a un bout de crêpe qui a volé. Me revoilà, il est 21h passées. Devinez ce qu'on va manger ce soir. Bon, il n'y a plus beaucoup de lumière, j'ai mis une ring light, il y a des ombres partout, mais on ne voulait pas. On va manger McDo. Je suis très contente. Nous allons évidemment commander, étant donné qu'il y a le couvre-feu. Où es-tu, Uber Eats? Vous savez ce qu'elle prend? Pas Léna, parce que moi je sais. Elle prend un Big Mac chez McDo. Moi vous savez que je prends toujours la même chose. Soit je prends un McWrap poulet bacon, soit je prends un 280, ou alors des nuggets, ou les deux, avec des frites et de l'eau, parce que dans tous les cas je ne vais pas boire pendant que je mange. Donc si je prends genre un coca ou quoi, bah il va être dégueu si je le bois genre 2 heures après. Léna, elle prend un coca, mais un coca sans glaçons. Donc je vais prendre Big Mac, frites et coca. Let's go, Big Mac, frites, coca. 11,48. J'ai envie de manger en bas, mais en même temps je mange tout le temps en bas, à chaque fois c'est la même histoire. Je crois qu'il est là, je comprends rien. Oh oh, oui il arrive. Oh oh, oui il est là. Voilà. Je suis très contente. Je sais que ça va être froid parce que c'est toujours froid en livraison. J'ai mis une table. Oh punaise, non, me dites pas qu'il y a pas de sauce. Un McDo sans sauce, je peux pas. Mais putain, ils mettent pas de sauce, genre, il y a même pas de ketchup.
tellement bon les coca du McDo. Voici la bête. Je vais enlever les cornichons. Mais déjà, depuis quand je prends des best-of? Genre, je prends toujours des maxi best-of. C'est pas grave, c'est pas grave, on dit c'est pas grave. Elles sont bien salées, j'adore. Testons. Quand j'étais petite, mon oncle, il me disait que la tache, là, blanche, c'était de l'anti-vomitif parce que c'était tellement énorme que l'humain est obligé de vomir. Et du coup, moi j'y croyais de ouf. J'ai raconté ça à tout le monde et un jour on m'a dit, mais Andy, t'as pris pour une débile. Puis un jour j'ai réentendu cette histoire, du coup je me dis, bah c'est une rumeur ou c'est vrai? C'est bon, mais genre, il y a mieux chez McDo. Truc de ouf, les cornichons tu les enlèves, il y a quand même le goût. Quitte à manger un McDo, je préfère pas manger ça. Mais en vrai, c'est bon quand même. Je sais pas quoi dire, je suis concentrée dans ce que je fais, ce que je mange. Le fromage. Bon, ça y est, terminé. Là, j'en peux plus, j'ai trop mangé. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? Bah écoutez, moi j'ai plutôt kiffé ma journée, hein, on va pas se mentir. Le Starbucks, vraiment délire. Moi je vais chez Starbucks, je prends des boissons chaudes plutôt. Mais en vrai c'est grave bon et je comprends trop qu'on soit addict à ça parce que bah, c'est trop le genre de truc qui te rend addict. Le midi, grave bon, salade de pâtes, je pense jamais en faire, c'est trop une bonne idée. En revanche, les toasts d'avocat en plus, ça fait beaucoup pour moi et elle doit faire sûrement moins de salade, j'en sais rien. Le coca... pas pour moi. Les crêpes à la crème de marron, alors là, pas du tout mon délire. Je comprends pas le délire de la crème de marron, vraiment. Et le McDo, je valide, après avec une sauce déjà s'il vous plaît. Et puis Big Mac, genre c'est pas mal, mais je sais pas si elle prend tout le temps ça, mais franchement moi je prendrais pas ça chez McDo quoi. C'est loin d'être le meilleur selon moi. Donc voilà, petit débrief de cette journée. Franchement c'était marrant à faire, comme tous les 24 heures. De toute façon je crois que c'est mes vidéos préférées à filmer. J'adore manger, j'adore filmer, j'adore découvrir des trucs, j'adore explorer la vie des gens. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais c'est pas déjà fait. Il y a des belles surprises qui arrivent vu qu'on vient de dépasser les 100K sur YouTube très très bientôt, dans genre moins de 2 semaines. Il y a vraiment des grosses surprises qui arrivent, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.